Thierry Boutemi, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi cette composition comme coup de cœur de la Brafa cette année. Pourriez-vous nous dire pourquoi ? En faisant donc le montage floral de la Brafa, je me suis promené sur les stands et j'ai vu ce petit tableau avec ces quelques fleurs, que ce genre de bouquet que je fais pour moi, et ce petit Jésus qui est un enfant sans bras. En fait, cette fragilité et cette simplicité m'a beaucoup touché. En fait, moi, ça m'a vraiment... C'est les deux qui m'ont vraiment touché. L'enfant sans bras qui est un enfant qui est une icône qui va devenir très forte. Et il y a le bouquet de fleurs qui est un bouquet fragile et qui représente aussi une forme de vanité. Et la combinaison de la force et de la faiblesse, c'est la combinaison que j'ai fait des deux objets. Ça m'a beaucoup parlé, en fait. Avez-vous de l'art chez vous ? Oui, j'achète différents... j'achète de l'art que je mélange. Il y a de l'ancien, du contemporain, de l'ethnique. Je collectionne beaucoup de l'art amérindien. Et j'aimerais beaucoup, justement, en ce moment, je cherche à acheter un enfant Jésus dans cet esprit-là. Il y a un petit tableau de fleurs et ça me parle beaucoup quand je les vois. Comment est-ce que vous pourriez décrire votre travail pour la Brafa cette année en termes floraux ? Alors, le travail de la Brafa, j'ai voulu le faire dans une certaine légèreté, avec une forme de végétation envahissante où on ne sait pas d'où ça part, d'où ça vient, on ne sait pas vraiment ce que c'est, et c'était vraiment abstrait. Et aussi un peu une réflexion au tableau impressionniste. Donc on a une impression, mais on n'a pas quelque chose de direct. Et j'ai regardé beaucoup les tableaux de Monet, et un peu c'est parti de là, cette histoire-là, en fait, cette composition. Thierry Boutemi, merci beaucoup. Merci.